9 septembre 1970. Aux originaires village Benanson a été dans le secteur de Tiam, mais dans le territoire de province. Tata Boto Komona. Adam Envy. Maman Rofio. Pour ça, comme ça, on a numéro RCC. Quand on a monté, au bal, comment on va se nommer? Papa Banabou. S'il vous plaît. Au fin du rap. Très bien. Kalengi Kukilama Laurent. Définons-nous ton identité liée, date de naissance, province d'origine, territoire, secteur, nom du père, nom de la mère, profession et adresse. Je m'appelle Laurent Kalengi Kukilama. Et la dernière fois que vous avez fait l'objet d'un emprisonnement remonte à quand? Merci. Moutombo, Bipanga Samuel. Yo Vandélie, tu n'as qu'il y a déjà dans ton mot. Hein? Pardon? Va dire que tout n'a qu'il y a pour moi, tata, pour moi, maman. Yo, Botamio. Nada, tu n'es pas. Tata, votre compagnie. Pas envie? Lokwa Kabea. Landu Soto Jesse. Mbaku Mafuta Michel. Mongombe Lukeba. Kabea Kaembe.
Mara Idil Idou. Makoko Malema. Mwanzaku Badie Merci. Ndindulu Kanza Samash. Yula Memo Moïse. Monsieur le greffier, à tête du tribunal, note, lors de la vérification des éléments d'identité des prévenus déférés devant nous par le parquet près le tribunal de Séan, bien entendu en procédure de flagrance. Les personnes dont les noms écrits ici haut ont déclaré n'avoir pas l'âge de majorité, être nés respectivement entre 2011 et 2010 et 2007. Étant entendu que ceux-ci au regard des déclarations par eux faites devant nous sont mineurs d'âge, le tribunal de Séan décline sa compétence car nous ne pouvons pas juger le mineur qui du reste on les juge naturel et ce conformément aux articles 89 de la loi organique. Le tribunal ordonne la disjonction des poursuites à leur égard et les remet à la disposition de l'organe de la loi qui, bien entendu, va déférer ceci devant leur juge naturel. La compétence il y a pour juger binoté. Bino et Sengeli, va sambi sabino, qui va pour sambi sabino, et Sengeli va sambi sabino, il y a
tribunal et abana au babéli juge naturel na bino na bongo bozongi parce que parka yaki na bino pa na biso totali to moni et biso toza compétente yenge bele na bibeko la mboka to kaboli bino mikolo batikali po tukoyeba kosambisa mikolo bino lokola boza bana au regard ya loi botikali na maboko a parquet parquet a s'occuper na bino yenda koyeba soki azala bosenga na bino na likambo songolo to likambo pakala pona complément information na ye bongo a ko décider otinda bino epai ya juge naturel na bino bolandi na boye bokovanda pembeni awa okoza na disposition ya parquet esika eza moke ata bisika bolandi wana okoki koza mwa mopanzi bolandi makele lete ya s'il vous plaît, cher maître, à Canova d'abord vous mieux. Baissez d'abord vos bras, s'il vous plaît. On va vous revenir. La parole à M. Logan de la loi pour nous dire ce pourquoi il a déféré chacun de prévenir devant les tribunaux de séance en procédure de flagrance. Ainsi, M. le Président, nous avons détenu à charge de M. Kabamba et compagnie l'infraction des rébellions. M. le Président, à charge du bâtonnier qui a recouru, et les deux également, puisque nous l'avons dit, les deux ont recouru au service des deux factions des forces du progrès. Pour le premier, la faction de Ozone et l'autre de l'EMT. Et lesquels ont causé des violences, tant au niveau de l'immeuble, puisqu'il y a des blessés, nous allons également le voir, Monsieur le Président. Et au-delà de cela, Monsieur le Président, lors de notre descente sur les lieux AIC au numéro 1, en dehors du mineur qui a été trouvé au cachot, vous-même vous avez identifié des mineurs. Et ces mineurs, pour les uns, ils ont été arrêtés devant l'immeuble Tamoul Inter ou Blue Development, et d'autres devant la résidence du sénateur Adu. Des jeunes qui ont été, par des adultes, amenés pour les accompagner à délinquer, Monsieur le Président, et trouver également dans le lieu de la délinquance au quotidien. Nous avons également retenu à leur charge l'incrimination d'avoir incité les enfants, les jeunes enfants, dans des formes de criminalité que nous avons citées tantôt, Monsieur le Président. Et c'est tel que cela est prévu dans la protection de l'enfant à la loi portant protection de l'enfant, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Président, les faits tels que nous l'avons dit. Et nous allons les décliner au fur et à mesure, votre tribunal le demandera, puisque nous avons mis à votre disposition des fiches individuelles, des fiches mises à la responsable à la charge de chacun d'eux. Monsieur le Président, membre de la composition, et en dehors des images et des déclarations qui ont été faites, je crois que votre tribunal, après débat, aura à suivre ce que nous allons proposer à votre tribunal. Nous avons dit. Je vous remercie. La parole aux parties civiles pour Mukuna Kabuya Maurice. Est-ce que Mukuna Kabuya Maurice, s'il vous plaît, maître. Allez-y, maître. Maître, vous qui réclamez la parole, vous êtes qui? Donnez-lui d'abord le micro, cher maître. Donnez-lui le micro. Vous êtes qui? Présentez-vous. Monsieur le Président, parce qu'on venait de présenter le fait, vous demandez. Vous êtes qui? Je suis des conseillers.
conseil de M. Kabanga Mulumba et que j'avais déjà capté ma compagne chez moi. Maître qui était le tribunal évolué. Maître Oscar Mouviahi, avocat au barreau de Lille, et c'est elle que j'ai acté ma compagnie. Maître, en ce qui vous concerne particulièrement, sauf preuve de votre part de l'accord de réciprocité entre les barreaux étrangers, notamment celui auquel vous appartenez, et la République démocratique du Congo. Si pour les avocats nationaux, ça relève de questions de l'ordre, pour vous, il n'en est pas ainsi. Vous n'êtes affilié à aucun barreau au Congo, et au regard de la loi sur les barreaux, le tribunal va vous demander humblement de vous retirer. Oui, monsieur le président, puisque vous revenez sur le moyen qui avait été soulevé. C'était mis en merde parce qu'on avait évolué. En ce qui vous concerne particulièrement, vous prouvez que vous avez, il y a un accord de réciprocité entre les barreaux étrangers, notamment celui auquel vous appartenez, le barreau de Lille, et les barreaux nationaux. Dans l'hypothèse contraire, avec politesse, le tribunal vous demandera humblement de vous retirer. Oui, monsieur le président, nous respectons et nous sommes la structure du tribunal. Et puisque vous revenez sur le moyen de. Vous n'avez même pas droit à la parole. Vous avez juste le droit à prouver avant de prendre la parole. Donc vous prouvez l'accord de réciprocité, alors vous avez la parole. Dans l'hypothèse contraire, vous cédez le micro et vous vous retirez pour le moment. Vous suivez le danse comme un tout prudent. Oui, monsieur le président. Merci. S'il vous plaît, je vais te passer le micro. Monsieur le président, est-ce qu'on peut reprendre vos moyens de soulever et nous prendre une minute là-dessus? Mais vous me demandez, monsieur le président. Oui. Maintenant, monsieur le président, oui. Pas qu'on puisse avoir, qu'on puisse, et ça puisse arrêter ici que nous sommes brumés. Allez-y. Nous sommes avocats, monsieur le président, à part entière. Et nous sommes tous devant la loi face à l'égalité. Et que je vais vous rappeler l'article 19 de notre constitution, toute personne a droit à être assistée par un avocat de son choix. Et c'est ce que M. Kabanga a fait en m'appelant pour cela. Et il est présent. Par rapport à la réciprocité, M. le Président, non seulement puisque nous sommes en procédure de flagrance, je vais vous rappeler qu'il y a beaucoup d'accords qui ont été signés par la RDC en souscrivant. Produisez un seul, cher maître. En ratifiant, monsieur le président. Maître, en ratifiant, monsieur le président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'allais finir, monsieur le président. Vous pouvez être ici pour éclairer la lumière du tribunal. Parce que vous êtes en train d'entendre le fait au même moment que nous tous. Bon, venez de le dire tout à l'heure dans votre propos. Il faut nous amener. Le cadre fond de la police ici, qui était à la sécurisation par le document du procureur requérant la force publique autorisant au huissier de justice, Madame Chantal Masunga. Madame Chantal Masunga, comme il est de droit de la compétence d'un huissier ministériel, quand il descend sur le lieu, il a des obligations légales. C'est lui qui commande, c'est lui qui dirige les opérations avec les documents du ministère public requérant la force publique par le général Magna, avec plus de trois types de militaires qui ont eu à sécuriser nos prévenus. Ils ne peuvent pas parler sans voir les gens qui les ont invités sur le lieu, qui doivent vous produire un PV d'installation ou alors de déguisement. Nous devons rester sur le même âge. Le ministère public fait semblant, oubliant que le document qui est allé exécuter par l'ordre public, la force publique, provient de lui. Nous le mettons directement en accusation d'être responsable de ces déguisements ou alors de cette installation. Madame Masunga, s'il vous plaît, maître. Attendez, maître, on ne laisse pas terminer de cette façon que voilà. On va vous revenir. Le tribunal veut que les choses soient très bien circonscrites.
Monsieur, quand vous posez un problème, parfois vous glissez à plaidoyer, parfois vous dites, Monsieur le Président, pour ce qui nous concerne, nous estimons que nous avons besoin de tels. Vous donnez, vous déclinez les identités, les noms de ceux-là, au lieu de commencer à verser dans... Votre honneur, je ne voudrais pas échanger avec le tribunal en tant que professionnel. Vous estimez qu'il va falloir pour le tribunal de faire comparaître... Nous avons besoin de l'officier ministériel. L'huissier qui a exécuté les mandats dont le ministère que vous venez de tailler tout à l'heure dans son... Son nom, Chamel. C'est Chantal Massoumla. Attendez, maître. Nous sommes en procédure pénale. Vous êtes parti au procès. Si vous avez besoin de citer un témoin, si... Attendez. Maître, c'est pas poli cette façon de réagir devant le tribunal. Baisse ta main, s'il vous plaît. Je ne réagis pas comme ça devant vous. Maître, vous avez dit. Mais vous l'avez ouvert. Taisez-vous, s'il vous plaît. Votre récit.